Et bonjour, c'est Gwendal, on se retrouve sur Farming Simulator 15. Alors Farming Simulator 15, pour vous présenter le premier ressource pack Farming Simulator qui sort officiellement. Alors parce que, bon, premier je sais pas trop, mais en tout cas, l'un des, voilà, des ressource packs qu'on ne connaît pas, enfin, qu'on connaît pas. Un nouveau ressource pack, tout simplement. On va tout simplement démarrer une carrière, donc comme vous l'avez vu sur la page de présentation, donc la musique du menu qui a changé, alors c'est une musique... ma copyright, donc c'est pour ça que je parle dessus et que je laisse pas tourner. Et aussi le fond d'écran, c'est tout simplement un fond d'écran très beau, voilà, très beau, qui a été longtemps mon fond d'écran Windows. Si je mets sur carrière, donc on peut se voir tout simplement que la, voilà, le zéro a changé, enfin le truc sans comment dire. Sans rien à changer, enfin le truc vide a changé. On va sélectionner une truc, une carrière au pif. Les images n'ont pas changé de journal, mais je pourrais la changer à la limite. Mais bon, pour l'instant je ne les ai pas changées. On verra dans le turfu, tout simplement, dans le futur. Voilà, pour changer, pourquoi pas l'image de journal. Bon. On attend que la partie se charge vite fait, bien fait, au cas elle am. Démarrer, on s'en fout. On peut voir, et ça c'est la, enfin c'est pratiquement ça qui change le plus, c'est le PDA. Le PDA tout simplement. Le PDA a pratiquement tout changé, tout simplement. C'est le PDA a des icônes tout nouveaux, tout simplement. Donc notamment, qu'est-ce qui a changé? L'icône des vaches. A changé, donc maintenant c'est une petite vache toute mignonne. L'icône des moutons a changé tout en haut, le petit mouton tout joli. L'icône des vaches a changé, l'icône des coques, des poules a changé. Voilà, on a tout simplement la flèche. Donc moi je trouve voilà, nettement belle. Alors elle est verte, et elle est verte pour le joueur admin de la partie, enfin dans la partie, et rouge. Donc c'est pratiquement la même pour les gens qui sont pas dans la partie, enfin qui sont en multi. Voilà, qui rejoignent la partie. On a tout simplement les ventes avec un beau carré avec un sac dedans. Voilà, tout simplement. On a les pour les missions, c'est une cible dans une flèche, qui est pas trop mal non plus. Les dollars, c'est tout simplement les banques, mais qu'on n'utilise jamais, puisqu'on a toujours la touche raccourcie. Voilà, voilà. Un truc qui peut plus servir, c'est le dollar, et en dessous, on voit un 9, ou on voit pas trop un 9. Mais en fait c'est tout simplement un point de vente d'œuf, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai oublié d'expliquer? Bah la pelote de laine pour la laine, voilà. Le panier rose pour le magasin. La pompe à essence, bah comme on peut voir, alors attendez, suivez ma flèche verte, parce qu'étant donné que tout est vert, on voit mal sur cette map. Mais tout simplement, vous voyez tout en haut de ma flèche là, ben on a un... On peut tout simplement prendre de l'essence. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de changer? Il y a peut-être d'autres choses de changer que j'ai pas dit. Mais bon. Voilà, le téléphone, j'ai dit. Donc ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à changer. Aussi, un truc que j'ai changé, c'est tout simplement les journées, la prévision météo. Donc avec un beau soleil. Un soleil avec un petit nuage. Voilà, et il y a d'autres nuages rain, enfin de la pluie que je n'ai pas changé. Ok, j'ai changé, mais bon, là on voit pas parce que c'est comme ça. Voilà, est-ce que j'ai changé d'autres trucs? Est-ce qu'on voit d'autres trucs? Non, on voit pas d'autres trucs. Le coupeau de bois, bon, j'aurais peut-être pu laisser pareil. Voilà, bon, voilà, j'ai changé, mais je pouvais à peu près laisser pareil. Et autrement, je sais pas si j'ai changé autre chose. Le fané maintenant qui est violet. Je sais pas si c'était déjà violé, mais bon. Bon, peu importe. Aussi, un autre truc que j'ai changé, c'est par exemple quand on entre dans la véhicule, on peut voir que les litres et le pourcentage n'est pas le. Enfin, a changé de couleur. Tout simplement, on peut voir tout en bas à droite. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai changé d'autre? J'ai changé d'autres trucs, hein. J'ai changé d'autres trucs. Mais il faut jouer pour tout simplement. Pour voir ce que j'ai changé. Donc, bon, bah, je vais vous laisser admirer. Tout seul. En téléchargeant. Le fichier
qu'il faut changer dans le jeu pour avoir toutes ces belles nouveautés. Il est à placer manuellement. Si je mets un exé peut-être plus tard, je sais pas trop. Peut-être que plus tard je mettrai un exé, on ne sait pas. Voilà, tout simplement. Et on se retrouve tout de suite sur mon bureau pour vous montrer comment l'installer. Et donc, re tout le monde. Donc, on se retrouve sur mon bureau. Donc, comment l'installer? Vous allez avoir le fichier en .zip. Voilà, qui va se présenter sous cette forme-là. Alors, je suis sur mon deuxième écran pour vous montrer tout qu'est-ce que c'est. Si je le trouve. Voilà. C'est un fichier qui va ressembler à... mince. Un fichier qui va ressembler à un fichier zip comme ça. Voilà. Bon. Vous le copiez. Donc, bim. Faites un copier. Ou un couper. Je sais pas si c'est vous qui voyez. On va aller dans le jeu, donc programme file, Farming Simulator 15, et on y arrive. Alors, vous avez un, moi j'ai déjà, forcément, parce que je viens de vous le montrer. Mais, autrement, vous avez un truc qui ressemble au data s.gar, sauf qu'après le s, il y a un 2. Voilà. Donc ce fichier-là, on le supprime, le data s2, on le supprime, le data s2.gar, on le supprime, et on fait un coller. Alors, bah, vous, moi, il me demande de l'embrasser, forcément, parce que j'ai déjà... Mais sinon il va pas vous demander de le remplacer. Voilà, tout simplement. Voilà, donc c'est juste l'installation est extrêmement simple. En attendant, merci à tous d'avoir regardé la vidéo et téléchargé ça en masse, parce que comme ça on va voir plein de téléchargements et ça va être cool. Voilà, tout simplement. Allez, à plus tout le monde.